nous sommes arrivés à Paris. Arrivé à Paris, ça va pas te fatiguer Alice? Ça passe. T'as eu quoi? Une heure de sommeil dans l'avion? Moi je crois que j'ai eu 2 heures de luxe. Je ne suis pas encore atteint du décalage horaire donc pour l'instant ça va. Je suis bien réveillée mais je pense que dans quelques heures on va être super fatiguée. Moi pour l'instant c'est un peu comme une nuit blanche normale d'étudiant. Toi c'est l'habitude. Ouais, comme d'hab. Oh regarde un Starbucks! On en pense. Lol, le Starbucks juste à côté du McDonald's. On est encore aux États-Unis Alice. Là on est tranquille à l'aéroport, on a une escale de 8 heures. Du coup, Alice et moi, pour passer le temps, on a décidé de faire un petit tour de l'aéroport, un peu de la vitrine. Mais d'abord, direction un guichet automatique, car moi, je n'ai pas d'euros. J'ai que des dollars sur moi. Idées made in USA, je sais pas ce que c'est. Tu l'as pas celui-là? Les magazines pour enfants français. Tant de nostalgie. Ça fait bizarre qu'ils ont traduit Moana Viana en français. Oh, des mini tours Eiffel, j'en ai 4 à la maison. Bon, ça va à niveau. Ni à Paris, t'en as pas besoin? C'est bon, j'ai ma douce. J'ai l'impression que les Playmobil, c'est pas vraiment aussi populaire aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je me souviens que ça, c'était mon enfance. Est-ce que vous connaissez les Playmobil? Ça existe aux US? Un doute, du coup, parce qu'on y jouait aux US, mais parce qu'on les avait amenés de France, non? D'ailleurs, est-ce que Playmobil, c'est américain? C'est quoi le slogan en anglais? Je sais pas, c'est quoi le slogan en français? En avant les histoires. Ah oui, c'est vrai! Même que pour les enfants, il y a des magazines Playmobil qui viennent avec des Playmobil. Magazine Pokémon, avec des cartes Pokémon. Pourquoi est-ce que les magazines pour enfants, ils sont pas aussi cool aux US? Peut-être que c'est juste que je les trouve pas. Ils sont trop mignons, mais j'en ai pas besoin. Bismarck. Et puis c'est américain, on dirait. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Lol. Le carnet Lego. C'est pas mal pour les architectes, nous qui adorons les Lego. En France, il est galère à fermer. Pour une raison quelconque, Waldo est devenu Charlie en France. Un petit peu de manga dans l'aéroport. Alors, je me souviens des livres-là, Bibliothèque Rose. Je lisais beaucoup de cette collection. Thank you.
pas qu'ils avaient différents KitKat en France. Quelque chose qui m'a manqué, c'est le prix qui inclut les taxes. Et aux États-Unis, le prix qui est indiqué n'est pas le prix qu'on paye à la caisse. Mais ici, oui. Something else that's really weird about being back in France is George Clooney being the spokesperson of Nespresso. He's done so many commercials for this brand, but in the US, no one really associates either. Growing up, I didn't think of him as an actor. He was the Nespresso guy. That's his French reputation. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le commandant Amanat et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus A320 à destination de Jacques-Jour de Châtain-Front après 1h30 de vol. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture. Merci. We packed and brought some soap with me from the US, not expecting there to be any when I got here, but my grandpa was so sweet and got everything ready for us before we arrived. So he had like the bed made, got the towels in the bathroom, and as I was showing you, my grandpa went and bought us some soaps. So this is the hand soap, some body wash. Oh my god, I actually really like this French brand. And of course shampoo, and this is what cracks me up. My grandpa got me two kinds of shampoo. This is like normal one, and then I don't know why, he also included this kid's shampoo. It's super cute. I kind of want to use this instead of the regular shampoo. Oh my god, it's adorable. It's really funny. I love my grandpa.